Alors passer à Silver Frost désormais, un autre jeune étalon, qui a été le rival de Le Havre d'ailleurs en course. Depuis l'apparition du catalogue, Smoked Aloud, donc son demi-frère ici, son demi-frère, donc Smoking Aloud, gagnant depuis l'apparition du catalogue. On débute à combien ici pour cette fille de Silver Frost, la mère Naichi. Il avait gagné la poule d'essai des poulains devant Le Havre, Silver Frost. Ils sont de la même génération, né en 2006. Le Havre était deuxième de la poule d'essai des poulains et Silver Frost s'était imposé. Le Silver Frost a commencé la monte un an après Le Havre, puisque Le Havre a commencé sa carrière d'étalon dès le printemps de ses 4 ans. On n'avait pas couru après le prix du Jockey Club, tandis que Silver Frost, pour des raisons judiciaires assez complexes, est resté un an en stand-by en quelque sorte, et il a commencé la monte seulement en 2011. Et il a sa première génération de 2 ans actuellement sur les pistes. Une origine polyvalente, comme vient de le préciser Pierrick Moreau, puisque 49 steps. 10 Jérôme, à 10 000 euros Jérôme, essayez encore, à 10 000 euros c'est Jérôme, non, à 10 000 euros maintenant, cher, à 10 000. Non pas 39 Steps, hein, pas confondre avec le grand film, le suspense, 49 Steps, cette pouliche, qui est déjà nommée, présentée par Jake Burstead à l'écran, la sœur de Galaxia, gagnante de l'Easter dans notre stack, Cagnes-sur-Mer, mais aussi de Garnica, un mâle de Linamix qui a gagné le prix du Palais Royal à 2 reprises, 1400 mètres de la nouvelle piste de Longchamp, ainsi que le prix de Mautry, sur les 1300 mètres de la ligne droite de Dauphine. Donc deux chevaux assez différents dans leur profil, hein, Galaxia et Garnica. 14 000 euros maintenant, Jérôme. À 14 000 euros, Jérôme l'enchère. À 14 000 euros, je vous laisse faire, Jérôme, c'est votre enchère par vous et contre vous. À 14 000 euros, par vous et contre vous. À 14 000 euros, bien. Différence fait, aussi assez notable entre les paires de ces Galaxia et Garnica. La Garnica par l'excellent, elle est reconnue, le célèbre Linamix. À 15 000 euros, l'enchère. Galaxia par le très bon, obscur Alamo Bay, qui a été un cheval de Kuhnenstein bien né, mais qui n'a jamais rien produit. Bienvenue. À 15 000 euros. 15 000 euros. On a juge. Conmarnheim, thank you, sir. Conmarnheim, néerlandais de Bunchhurst. Le numéro 375. Alors, Soldier of Fortune, autre jeune étalon dont la première production est âgée de 3 ans cette année. Fortune et Amida. Amida, la mère, elle est par Johannesburg. Johannesburg était un... Le père de Aminoir, le père de Céline. Un poulain extrêmement précoce. C'est le demi-frère de Ormo, gagnant également de 5 courses. La grand-mère Pertuzane, donc un petit-fils de Galiléo ici. Un petit-fils de Galiléo. Et on débute à combien pour ce petit-fils de Galiléo? Bon poulain ici qui se présente bien. Allons-y, voulez-vous 5 000 euros. Soldier of Fortune. Oui, bien vu. 5 000, l'enchère est à gauche à 5 000 euros. L'enchère est à gauche à 5 000 euros. Une seule enchère à Laura, 5 000. 5 000 euros. Poulain qui avait gagné le prix Morny. 5 000 euros, j'ai une enchère à 5 000. Johannesburg avant de s'imposer à 7 contre 1, je m'en rappelle. Je l'avais joué dans le dans la Breeders' Cup Juvenile. Ça faisait très longtemps d'ailleurs qu'il n'y avait pas un poulain non américain qui s'était imposé dans la Breeders' Cup Juvenile. Il avait pulvérisé l'opposition sous la selle de Nick Keenan à l'entraînement d'Aynan O'Brien. Johannesburg. 9 000, 10 000, mon enchère à 10 000, à 10 000 euros, mon enchère à 10 000, à 10 000 euros, l'enchère est à 10 000, à 10 000, mon enchère à 10 000, et pas au restaurant, à 10 000 euros. Alors vous avez vu tout à l'heure le visuel du Rat du Lion, hein, donc qui. Prend deux nouveaux étalons cette année. 13 000, merci. Soave et Sunday Break dont on a parlé à plusieurs reprises depuis le début de ses ventes, parce qu'il vend très très bien ses produits. C'est quand même un nouvel étalon commercial dans le Grand Ouest. C'est pas la race. C'est assez rare dans le Grand Ouest d'avoir des étalons commerciaux, c'est-à-dire commerciaux pour le plat, je précise bien, hein, des étalons d'obstacles, oui bien sûr, mais des étalons qui sont capables d'amener des yearlings sur des ventes de Deauville ou d'Ozarus et de vendre des chevaux à 30, 40, 50 000 euros. C'est très très rare dans le Grand Ouest. Et le Haras du Lion d'ailleurs qui travaille avec qui fait nourrir ses chevaux par les aliments Dinavena qui est notre partenaire une fois de plus aujourd'hui, comme vous pouvez constater à droite de l'écran de diffusion, partenaire avec chez Hervé évidemment, ça est une grande famille, la grande famille des courses chez Hervé, votre partenaire santé Dinavena également qui travaille pour la santé des animaux, tandis que chez Hervé, c'est plutôt la santé de leur propriétaire. À 20 000 euros, Romain, 20 000, à 20 000, à bon poulain ici, à 20 000. Alors, Soldier of Fortune. À 20 000 euros, le petit fils de Galiléo, à 20 000, à 20 000 euros, la l'enchère. Laura, à 20 000 euros, Guillaume, je ne nous entends plus, à 20 000. À 20 000 euros, pas de regret, Guillaume, c'est sûr, à 20 000. À 20 000 euros, l'enchère ici, je vais la juger, pas d'erreur, bien vu, fini. On a juge. Laura, merci monsieur, 20 000, votre enchère. Le numéro 376 est absent, nous passons au numéro 376. Alors, pas de 376, donc on va passer... Ah bah tiens, on en parlait chez Hervé. Le 28 mars, par 377.
Second produit. Soldier en fortune second également. Produit d'une mère Verglas, grand-mère d'Archan, d'Archan bien sûr, et Soldier Galileo. Galileo d'Archan, bon croisement, croisement classique ici. Et nous débutons tout de suite à 5 000, un second produit, 5 000, 3 000 euros. 3 000 euros, c'est l'enchère minimum, l'enchère minimum pour 3 000. 3 000, à 3 000 euros, mettez l'enchère à 3 000. Allons-y, come on, 3 000, voulez-vous 3 000, 3 000 euros, y a-t-il preneur à 3 000. 3 000, à 3 000 euros. 3 000 euros, mettez l'enchère à 3 000 euros pour les fils de Soldier en fortune à 3 000, y a-t-il preneur à 3 000. 3 000, à 3 000 euros, allons-y, mettez l'enchère à 3 000. Voulez-vous 3 000, 3 000 euros, ici encore à 3 000 euros, y a-t-il preneur à 3 000. Il faut démarrer à 3 000 euros. Il faut démarrer. Il faudrait peut-être. Un miracle ? Quand il reviendra, il fera grand jour pour fêter celui qui inventa l'amour. Au fond d'une étape, du naquit de Marie, personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Un acheteur est attendu actuellement pour ce poulain de Soldier en fortune. Et ça y est, il est arrivé car nous en sommes à 8000 euros. Soldier en fortune et Ardania par Verglas. À 8 000 euros ici encore, à 8 000. À 8 000 euros, nous vendons bien vu dernière chance. Je vais la juger. Il va la juger. Tout là-haut, à 8 000 euros, bien vu fini. À 8 000 euros. On a le juge, monsieur Hubert Barbe, Barbe de Stock, merci, 8000 euros. Voilà, Hubert Barbe, Hubert Barbe qui a fait l'acquisition de ce poulain. Le numéro 378 est présenté par le Haras d'Etrehan, un poulain Ben est le 26 avril par Elusive City et Azen. Champion Elusive City, poulain avec bon cadre ici. Bon cadre, la mère est Black Type. Azen. Alors, le 378 désormais, Elusive City et Azen. Hier encore de Hadjad. Du moment qu'on a bien connu Azen sur les courses et qui a déjà donné naissance à un poulain, une femelle par Orchestnut qui a gagné aux États-Unis, ça ne vous dit rien et pourtant elle a un nom célèbre. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, les jouets de la vie, comme on joue de l'amour et je vivais hier encore, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Et oui, hier encore, c'est la sœur aînée de ce lot 378. À 12 000 euros, à 12 000 euros qui prend le relais, à 12 000 euros qui conchère de Guillaume. C'est fini Guillaume. 12 000 euros l'enchère est à droite, à 12 000 euros nous vendons Hello CCT, à 12 000 euros le père de Super Allé, 13 000 bien sûr, à 13 000 euros il est revenu maintenant, à 13 000 euros il est parti, à 13 000 euros l'enchère est là en bas, à 13 000 euros par vous l'enchère, à 13 000 euros ici encore, à 13 000 euros mettez 14, vous devez 14, vous devez 14, Jérôme, à 13 000 euros Hello CCT, merci de votre aide monsieur au fond du passage, à 13 000 euros fini, à 13 000 euros l'enchère ici. Par vous, monsieur, à 13 000 euros. On a le juge. 13 000 euros. On a le juge. Yann Barbero. Merci, monsieur. Guillaume, 13 000. Le numéro 379 est présenté par Nostrian Associates. Un poulain Ben est le 27 mars par Turtle Ball et Hayat. C'est la famille de Ball Dancing, gagnant de groupe 2 aux USA et deuxième de groupe 1. Ball Dancing, je vous rappelle, encore gagnant aux États-Unis, pardon, aux USA d'un groupe 2 et placé deuxième des Queen Elizabeth Challenge Stakes Group 1 sont l'excellent Ball Dancing, donc la mère sœur de Ball Dancing, gagnant groupe 2, placé de groupe 1. Et on débute à 10 000, voulez-vous 10 000 pour le fils de Turtle Ball, voulez-vous 10 000, à 10 000 euros un poulain qui se déplace bien, qui marche bien, à 10 000 euros, oui, à 10 000 euros, 5 000, voulez-vous 5 000, come on sir, à 5 000, voulez-vous 5 000, 5 000 euros, allons-y, 5 000, 5 000, à 5 000 euros, voulez-vous 5 000, 5 000, voulez-vous 5 000, 3 000, voulez-vous 3 000, 3 000, voulez-vous 3 000, 3 000, à 3 000 euros, ici encore à 3 000, 3 000 euros l'enchère à 3 000, à 3 000 euros l'enchère, à 3 000 euros, il faut démarrer à 3 000, 3 000 euros, mettons l'enchère à 3 000, 3 000, à 3 000 euros, allons-y pour le père de French 15, oui, 3 000 euros l'enchère, ici encore à 3 000 euros l'enchère, ici encore à 3 000, 3 000, à 3 000 euros, mettez-moi à 3 000 euros ici encore à 3 000. Come on! À 3 000 euros, famille de Maserati ici.
Maserati, 3000, ah 3000 euros, ah 3000 euros bien sûr, et c'est encore 3000, alors Hervé, 3000, c'est contre vous, et c'est 4000 si vous voulez, ah 4000, ah 4000 Hervé, ah 4000 euros l'enchère, ah 4000 euros bien sûr l'enchère, là 4000, ah 4000 euros l'enchère, ah 4000 euros 5000, 5000 euros l'enchère, à 5000, ah 5000 euros l'enchère, ah 5000 euros maintenant l'enchère, à 5000, 5000 euros, ah 5000 euros ils sont encore à 5000, ah 5000 euros, oui, ah 5000 euros c'est pas son prix, 5000, 5000, ah 5000 euros l'enchère est là, ah 5000 euros, ah 5000 euros ici encore, à 5000 euros votre enchère Laura, ah 5000 euros qui prend le relais, ah 5000 euros mettez 5000, vous devez 6000, vous devez 6000, 5000 euros l'enchère, à 5000 euros qui prend le relais, qui commande l'enchère de 5000, 5000 euros. 5000 euros, c'est votre enchère, Laura. 5000 euros, Turtle Ball. 5000 euros, la mère sœur du champion, Ball Dancing. À 5000 euros, bien vu, fini, pas d'erreur dans la salle. À 5000 euros, on a juge. 5000, votre enchère, Laura. Le numéro 380 est présenté par le hara du Camp Bénard, une femelle alsane née le 2 mai par Turtle Ball et Hello Cinderella. Turtle Ball, la mère par Cindar, excellent père de mère Cindar. Père de mère de Flotilla, Turtle Ball, donc le père de Luc Allian, French 15, un premier produit d'une mère sœur de Hello Sunday, Hello Morning. Grand souche maternel, on débute tout de suite à 5000, 5000, 5000, 5000, voulez-vous 5000, 5000, 5000, 3000, 3000, 3000, c'est l'enchère minimum, 3000, voulez-vous 3000, 3 à 3, voulez-vous 3000, 3000 euros, à 3000 euros l'enchère, voulez-vous 3000, 3000. Alors, veut-on 3000 euros pour ce produit de Turtle Ball et Hello Cinderella, c'est le. C'est la nièce de Hello Sunday. Ah, c'est un bon cheval, Hello Sunday. Gagnant du prix Quincet, groupe 3, fils de polyglotte. Il est étalon en Normandie, Hello Sunday. Il y a aussi Hello Morning dans cette famille, deuxième du critérium international, groupe 1. Parti ensuite à Dubaï. Ah, c'était pas une enchère! Alors non! 3000 euros! Ah, 3000 euros, ici encore à 3000. 3000 euros d'enchère. 3000. Ah, 3000 euros pour démarrer, voulez-vous 3000. 3000 euros. C'était pas une enchère, il n'y a pas d'enchère? Pas d'enchère, 3000 euros. Ah, 3000 euros, bien vu l'enchère, à 3000 euros ici. L'enchère qui met l'enchère à 3000. À 3000 euros pour démarrer, à 3000 euros, bien vu. Oui, non, fini, 3000 euros, pas d'enchère, pas d'erreur. À 3000 euros, l'ossure. Le numéro 381 est présenté par le hara de la Rebourcière et de Montaigu, une femelle benne et le 5 mai par le Havre et Highville. A noter que cette pouliche est vendue sans TVA. This filly is sold without VAT. Bonne pouliche ici, qui se déplace bien de l'os, mais High Gustonor. Alors. Gustonor, bon croisement, un premier produit. Premier produit, la souche de Cadenceville, de Guestville, de Cadence Blue. Excellent croisement. Le 381. Combien ? Allons-y. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. C'est un fils, c'est une fille de Le Havre, présentée par le hara de la Rebourcière du Montaigu. Alors, le hara de la Rebourcière du Montaigu, qui a comme étalon, qui est très en ferve actuellement avec ses étalons, puisque bien sûr, il y a Martaline, bien sûr aussi, il y a Literato, dont on parle beaucoup en ce moment, mais il y a le jeune étalon No Risk At All, qui a sailli 131 juments cette année, alors que pour sa première saison en 2013, il en avait sailli 130. C'est quand même un début extrêmement spectaculaire. Et c'est le frère de, demi-frère de Nick Name, hein. Il remplace son frère défunt, parce que Nick Name est mort jeune, trop jeune. Et malgré le fait qu'il n'ait pu sailler que 3 ou 4 années de monte, Nick Name, eh bien, il a des résultats assez spectaculaires avec sa première production sur les pistes. À 22 000 euros, 25 000, à 25 000 euros maintenant, Laura, à 25 000, à 27 000, à 27 000, à 27 000, à 27 000 euros, Lovely Laura, à 27 000, à 27 000, 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, mettez l'enchère à 32 000, à 30 000 euros, l'enchère à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, Laura, à 30 000 euros, c'est un À 30 000 euros, Jérôme Langer. Je vérifiais si le clavier remarchait bien, excusez-moi. Nouvel enchérisseur dans la salle, mon enchère 32 000. 32 000 euros l'enchère à 32 000, à 32 000 euros l'enchère à 32 000, à 32 000 euros, à 32 000. Madame, mais je vous le jure. À 32 000, à 32 000 euros pour la fille de Le Havre, à 32 000, à 32 000, 34, 36. Toujours par mois l'enchère, 36 000 euros, à 36 000 euros l'enchère, toujours à 36 000, à 36 000. Le Havre, le cheval qui fait vendre ses produits, c'est une évidence. Bon, le cheval est bien né, hein, la Whiteville, cette pouliche. Elle a la bonne couleur en plus. 38, il a dit 38. Elle est noire, noire comme son père, Le Havre. Un étalon qui est 39. On a 40 000 maintenant, vous êtes 40 000, 42 000, 42 000. Eh oui. 40 000, 40 000, 4 000, 2 000. 42 000 là, à 42 000 euros, vous laissez partir, à 42 000 euros l'enchère, à 42 000 là, oui c'est vous monsieur, à 42 000 euros, c'est pas là-bas Jérôme, à 42 000 euros, vous êtes deux, 43, 5,
45,000 now my bid at 45. Ils sont partis à 45,000 euros, c'est mon enchère. 45,000 euros, c'est mon enchère. À 45,000 euros, à 45,000 euros, c'est mon enchère, Jérôme. À 45,000 euros, c'est pas devant. À 45,000 euros, je vais la juger. Bien vu, fini. On la juge. Oumkar, merci monsieur. 45,000, votre enchère, Jérôme. Fond du passage, c'est vu. Le numéro 382 est présenté par Umkarn Farm. Alban de Mieul, alors le Cheikh Abdullah Altani n'est pas présent aujourd'hui. Il a été présent et très actif, évidemment, lors des deux premières journées de vente, hier et avant-hier. Jérôme. Il est parti désormais. Mais Alban de Mieul, donc l'entraîneur, bien sûr, vedette du Qatar. Et puis désormais le manager général des intérêts d'Umkarn Farm, qui a eu la joie d'acheter il y a deux ans. Sarah ici, donc de fil en anglaise. Et Charm Spirit, c'était assez vente ici de d'octobre 2012. 140 000 euros, si ma mémoire est bonne. Triple gagnant de groupe 1, vainqueur. Samedi, des Queen Elizabeth Stakes. Des Queen Elizabeth Stakes. Donc, à Ascot, Umkarn Farm qui achète la femelle de Le Havre. Highville, Whiteville, la fille de la nièce de Cadence. Alors maintenant, vision d'État. 8 000 euros l'enchère à 8 000 présenté par le rat de Grand Camp. Alors à 8 000 à 8 000 euros, c'est encore à 8 000, mettons l'enchère à 8 000, l'enchère à 8 000, 8 000, l'enchère à la gauche à 8 000, 8 000 euros à 8 000 euros, 10 000 à 10 000, 10 000, 10 000, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, bien sûr, la fille de Vision d'État, the champion Vision, 12 000 à 12 000 euros, Laura l'enchère à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, bien sûr, à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, les premiers produits jeune production ici à 12 000, à 12 000 euros, une jeune production d'un jeune étalon à 12 000 euros, à 12 000 euros, ici encore à 12 000. Voilà donc Vision d'État, les premiers produits en 2 ans. Bon, lui-même n'était pas un poulain précoce, hein, donc à 2 ans, on ne peut pas s'attendre à avoir beaucoup de 2 ans de vision d'État gagné. D'autant plus que on a juge. Il a passé 2000 Laura, trop cher. Précoce. Il a suivi beaucoup du monde obstacle, d'ailleurs. Bah, il est assez proche physiquement du présenté par Coulon's Consignment, de son père Vision d'État. Poulain bœuf foncé né le 21 mars par My Boy Charlie et Ozik Falls. My Boy Charlie, mère gagnante de l'Istead, et c'est la famille. Alors, tiens, on aurait bien parlé de Literato qui est le 383, mais il est absent. Alors, on va passer directement au 384, un fils de My Boy Charlie et Ozik Falls. Ozik Falls, alors c'est une jument, la mère, une jument américaine qui a gagné l'Istead à deux reprises aux États-Unis. Fille de Precious End. Une origine totalement américaine, c'est la famille de Mr. Grillet qui a été un étalon qui n'était pas terrible en course. Enfin, pas terrible en course pour un étalon, non, pas terrible puisqu'il a gagné qu'un groupe 3. Il a quand même été deuxième de la Breeders' Cup Spring. Mais il n'a pas gagné groupe 1. Mais Mr. Grillet, ça s'est révélé un étalon tout à fait améliorateur, le père de Phil Solbeo. 5 000 euros, 6 000. 6 000 euros, Camille, votre enchère. À 6 000 euros, que l'enchère à 6 000. À 6 000 euros, à 6 000 euros. 8 000 maintenant l'enchère. À 8 000 euros, c'est contre vous. À 8 000 euros, c'est Guillaume, votre enchère. À 8 000. À 8 000, 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 à 8 000. 8 000 euros, 9 000, mon enchère. À 9 000 euros, mon enchère. À 9 000 euros, c'est mon enchère, Jean-Jacques. À 9 000 euros. À 9 000 euros, 10 000 maintenant l'enchère. 12 000 en face. À 12 000 euros en face. À 12 000 euros en face. Refaites-moi signe, monsieur, à 12 000. À 12 000 euros. À 12 000 euros. 13 000 euros mon enchère, à 13 000 euros mon enchère, à 13 000 euros, rien par vous, Laura, pas d'erreur, c'est mon enchère. 15 000 en face, à 15 000 euros en face, 17 000, 17 000 euros maintenant. On s'énerve hein, pour le My Boy Charlie là. C'est un poulain qui est épais, hein, il fait très 2 ans. C'est vraiment un joli cheval. Et en plus, il a une robe flatteuse, Bébrun. 18 000 euros, 20 000 maintenant l'enchère. À 20 000 euros, c'est Marie qui dit l'enchère à 20 000. À 20 000 euros, et que dit-on, monsieur? À 20 000 euros, refaites-moi signe. À 20 000 euros. À 20 000 euros, c'est Marie qui dit l'enchère à 20 000. À 20 000 euros, c'est contre vous, Laura, à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000. 20 000 euros, My Boy Charlie, mère Black Type. Regardez le pédigré, la famille de Mr. Greeley, Street Sense, Danny Dancer. Et nous sommes à 20 000 euros. À 20 000 euros, 22 000. 25 000. 28 000. 30 000.
30 000 euros, c'est marqué des enchères à 30 000. Sur les As Bénard, à 30 000 euros, l'enchère est là. Il y a du répondant. De la gauche à 30 000. À 30 000 euros, c'est contre vous, vous ne voudrez pas aller à 30 000. À 30 000 euros. À 30 000 euros, Nice Cold. À 30 000 euros, My Boy Charlie, mère gagnante de Listed. À 30 000 euros, que l'enchère à 30 000. À 30 000 euros, c'est contre vous. Alors j'ai une question. À 30 000 euros, l'enchère est là. J'ai une question. Si quelqu'un sait me répondre, je me donne quelques informations. Une vraie question, une question difficile. Bienvenue à Question pour du pognon. Voilà, qui est Precise End, le père de mère de le père de mère de ce produit. Precise End. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à m'envoyer un texto. Vous avez le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone portable sur la page d'accueil de France 6, en bas de la page, en tout cas, vous l'avez également. 06 26 35 64 16. Les demoiselles seront prises en priorité, bien entendu. À 38 000 euros, maintenant l'enchère par Audrey en face, c'est contre vous, Marie, à 38 000. À 38 000 euros, fini, monsieur, au restaurant. À 38 000 euros, il est parti. 40 000. À Folters Midnard, à 40 000 euros. À 40 000 euros, que l'enchère à 40 000. À 40 000 euros, c'est Marie qui est l'enchère à 40 000. À 40 000 euros, c'est contre vous en face, à 40 000. À 40 000 euros, que dit-on ? À 40 000 euros, Audrey. À 40 000 euros, regardez le pédigré, monsieur. À 40 000 euros, la mère est multiple gagnante de Listed. À 40 000 euros. À 40 000 euros, c'est contre vous, monsieur, en face, 40 000. À 40 000 euros, last time, gonna sell. La mère était précoce et puis tenace, elle a gagné 12 courses quand même. 269 000 dollars de gains. Bon, alors c'était des listes, c'était pas des listes de très très haut niveau parce que États-Unis, vous savez, c'est un grand pays, les États-Unis. Donc il y a des listes de haut niveau, il y a des listes de campagne aussi. Mais elle en a gagné deux, elle a gagné 12 courses. La mère nous présente ici son deuxième produit. Tandis que le 2 ans, Pablo, qui est parfait, Stringer Royal, n'a pas encore débuté. Et on monte. 45 000 euros. À 45 000 euros, il a dit non. À 45 000 euros, merci. À 45 000 euros, l'enchère en face par Audrey. Fini Marie. À 45 000 euros, on adjuge ce John Hammond. 45 000 euros. Tiens. John Hammond, dont on n'avait pas encore beaucoup entendu parler. On l'a vu pourtant depuis le début des ventes. Et voilà, il s'est fait adjuger. Son poulain, le baie foncé, n'était un 21 mars. Bye, my boy Charlie. Et allons bien sûr au haras du Maiseret. Pour moi, mais on reste avec Coulomb's Consignment qui vendait le lot précédent. On va passer à Pour moi. Toutes les trois, famille très vivante donc, tout beau poulain part pour moi, comme un début de temps, 10 000. Ah, pour moi qu'on espère aller voir et aller filmer à Coolmore, hein, puisque Francir commence à travailler à Coolmore. 5 000 euros, où est l'enchère ? 5 000 euros ? Tout simplement pour mettre en valeur votre étalon. Et oui, quel meilleur moyen de faire une vidéo. Vous connaissez bien les vidéos de Francir, les vidéos sur les étalons, les échevages également, et puis les déboires. Donc n'hésitez pas, si vous avez un étalon à mettre en valeur ou à refaire les vidéos, car certaines on a fait en 2, 3 ou 4 ans, alors qu'il faut évidemment les remettre à jour, bien n'hésitez pas à faire appel au service de Francir. Alors avant de parler précisément du 385, j'aurais fini mon propos sur les vidéos d'étalons. On a sorti récemment une statistique, les pages d'étalons, alors je parle là notamment à tout le monde et surtout les détenteurs d'étalons, les pages d'étalons sont vues deux fois, enfin pour être tout à fait précis, 1,95, c'est-à-dire quasiment deux fois plus que les pages d'étalons sans vidéo. Donc évidemment les vidéos sont très porteuses, la statistique est également valable pour les pages d'étalons. Pour moi donc, gagnant du Derby Stakes, c'est-à-dire le Derby sur le set de Michael Barzalona, en 2011, nous présente ici ses premiers yearlings. Il fait la monte à Coolmore Stud. C'est un magnifique cheval qui est ici. La mère est par Houstonor, ça c'est sympa. Alors la mère n'a pas couru, mais bon, non, si elle a couru deux sorties à trois ans en Italie, ça n'allait pas très vite. Mais elle a fait six produits en âge de courir, quatre vainqueurs, dont un placé de Listed en Italie par Aussie Rules, qui a été un étalon extrêmement décevant. Et elle a quand même fait un black type avec ce cheval, donc c'est bien. Ma grand-mère a gagné l'Istod, elle en Allemagne. Une souche aussi qui s'est illustrée en Turquie. C'est important à signaler parce que la Turquie est un pays fort méconnu, mais un grand pays de course.
On adjuge. Monsieur Guy Petit au restaurant, 40 000 euros. Guy Petit, 40 000 euros. Là, on est sur la bonne jambe. Hein. 45 000 euros précédents, 40 000 désormais. Et maintenant, on va passer au rat du Bois aux Proues, Daniel Chassagneux. Daniel et Martine Chassagneux. Avec un fils de peintre célèbre qui s'appelle Clint Kirk. Clint, bien sûr, un...